Donc nous, le club a 30 ans d'expérience. Le site de la Tour de C fait partie des, on va dire, des plus belles places au monde pour la pratique du vélo trial. On a organisé 4 fois les championnats du monde. Et on a des sportifs tels que moi qui ai été 4 fois vice-champion du monde, 4 fois champion de France. Et Marius Merger, un bisontin, qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui est en déplacement pour les championnats du monde. Donc c'est le franchissement d'obstacles sans poser le pied au sol. Donc on a un enchaînement de zones où à l'intérieur il y a plusieurs obstacles et c'est celui qui pose le moins de pieds au sol qui est déclaré vainqueur. Nous sommes un groupe de danseurs country qui dansons tous les lundis soirs et le mercredi soir à Serres-les-Sapins. Nous avons 3 niveaux de danse, donc débutant, intermédiaire et confirmé. Et là, le groupe présent aujourd'hui, c'est le groupe confirmé. Donc nous allons danser avec 20 danseuses et danseurs d'ailleurs, parce que nous avons quand même 3 hommes qui se font un plaisir d'être avec nous. Le club existe depuis 2006 et il n'a cessé de s'étoffer. Chaque année, nous avons des danseurs supplémentaires et des gens intéressés pour faire des démonstrations comme aujourd'hui, parce que c'est quand même un grand honneur pour nous de venir ici pour le tram. Hein. Donc tout le monde a répondu présent, ont répondu présent et se font un plaisir de venir aujourd'hui. Et en plus, nous avons la chance d'avoir du bon temps, donc c'est formidable. Le but, c'est la promotion du boomerang et tout ce qui va avec, toutes les activités. Donc il y a la compétition, mais aussi un aspect un petit peu plus fun du boomerang. Alors tout le monde peut faire du boomerang, on va dire de 7 à 77 ans sans problème. Il faut avoir quand même un bras assez solide, on va dire. Mais bon, comme il y a l'aspect compétition et l'aspect loisir, je dirais que l'aspect loisir, on peut vraiment le faire dans toutes les conditions physiques possibles quasiment. On a déjà accueilli même des personnes en fauteuil roulant. C'est assez parfait, on a beaucoup de chance. Il y a un petit peu de vent, un tout petit peu de trop pour l'initiation, on va dire, pour les enfants, puisqu'on leur fait lancer des boomerangs en mousse qui ne présentent aucun risque. Donc eux, ils sont plus sensibles au vent que ce que nous, on lance habituellement.